Bonjour à tous pour ce Forex Expresso. On a ce matin une hausse du dollar qui se rapproche de l'objectif qu'on avait fixé à 100. On est à 99,50 environ, un petit peu plus haut ce matin. On va voir ça en graphique tout de suite, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Donc, vous le voyez à l'écran, donc un indice dollar qui a monté sur les propos d'un membre de la Fed, Madame Brainard, qui normalement est plutôt accommodante, qui a tenu un discours assez hawkish, assez faucon, puisqu'elle a évoqué une réduction, une limitation du bilan de la Fed dès le mois de d'avril, dès le mois de mai, pardon, et donc des propos qui ont amené une hausse des taux et donc, par ricochet, une hausse du dollar. Donc, il se rapproche petit à petit de l'objectif que j'avais fixé des 100. On va voir les avis que j'avais donnés. Donc, c'était beaucoup contre yen, mais on va rester sur le dollar puisqu'il y avait le dollar yen. Et le dollar yen, pour ceux qui ont suivi, donc on avait un objectif, on a un objectif à 125, on a un stop loss à 121,28, on est toujours en position là-dessus, pas de problème, on a un gain à peu près de 100 pips, 115 pips, c'est quand même pas mal pour en 2 jours. La UD yen, puisque c'était l'autre avis que j'avais donné depuis longtemps, là on est vraiment, on a flirté avec l'objectif. Alors, il faut pas s'entêter non plus. L'objectif il est à 90-70. Alors, on a flirté, en fait, on s'est rappelé. Pardon, 94,20, pardon, excusez-moi. 94,20 l'objectif, et on a fait hier 94,17. Bon, si vous n'avez pas pris votre profit, aujourd'hui on a une figure d'hésitation au contact qui peut vouloir dire qu'on va avoir une consolidation horizontale ou au moins une respiration dans les prochains jours. Après une telle hausse, c'est assez normal. Donc, rapprochez votre stop à minima pour ne pas laisser filer les gains que vous avez engendrés. Bien sûr, quand vous êtes à 3 pips de l'objectif, alors maintenant on est un peu plus en dessous, mais quand on est si proche, il ne faut pas s'entêter non plus. Donc, vous avez deux solutions, soit vous sortez maintenant tout de suite et vous prenez vos gains, soit vous rapprochez votre stop loss en passant sur l'horizon de temps inférieur. Mais en tout cas, c'est un deal qui est toujours positif, qui est tout proche de l'objectif et qui pour l'instant ne montre pas de signe de retournement, même si aujourd'hui on a pour l'instant une figure d'hésitation au contact de la résistance. Donc si ce soir vous voyez cette figure d'hésitation qui reste en place, je pense qu'il faudra sortir et prendre vos gains. Si par contre vous avez une bougie haussière, ben dans ce cas-là, vous gardez votre objectif. Donc, on a vu l'AUD yen gagnante, donc dollar yen gagnant aussi. On va aller voir la troisième idée que je vous avais donnée, c'était sur le kiwi. Voilà, alors le kiwi, on a fait hier un plus haut à 0,11034 et l'objectif était à 0,11080. Et puis surtout, on a maintenant un doji avec cette longue mèche haute.
Donc, on est toujours dans un trend haussier, au-dessus des moyennes mobiles, vous voyez, ascendant dans 13 et 34 périodes. Simplement, ça risque d'être très long. Donc, si vous n'êtes pas sorti, donc vous avez gardé l'objectif que j'avais fixé, vous devez être un tout petit peu gagnant, le stop étant à 0,68. Moi, je mettrai maintenant, je relèverai mon stop sous les deux mèches basses d'aujourd'hui et d'hier. Donc, je relèverai mon stop à 0,6930 sur le kiwi. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je récapitule. On sort de l'AUD yen et on relève le stop sur le kiwi. Alors, on sort de la yen, bien sûr, si la bougie a la même configuration ce soir que actuellement. Et la dernière orientation que j'avais donnée, c'était sur l'euro suisse. Et l'euro suisse, voilà, l'euro suisse, il a bien cassé les 1,02 comme on attendait. On est allé plus bas dans un premier temps, mais on est en train d'en remonter. Donc, sur l'euro suisse, le stop loss, il est placé à 1,0243, c'est-à-dire au-dessus de cette bougie ici. Je vais pas bouger mon stop. C'est sûr que la bougie d'aujourd'hui, qui avale un petit peu la celle d'hier, n'est pas super encourageante, mais pour l'instant, on reste sous 1,02. Alors, je garde mon stop à 1,0243. Mais si je voyais une clôture au-dessus de 1,02, je sortirais quand même, même si on est en dessous des 1,0243. Une clôture ce soir. Voilà. Sinon, je garde l'avis short sur l'euro suisse. Voilà, on va aller voir l'euro dollar, les autres paires de devises majeures. Donc, l'euro dollar, qui a une tendance, une séquence de baisse depuis ce point haut qui l'a vu toucher en retracement Fibonacci de 50%. On revient sur un 0,9. On l'a cassé ce matin, mais on revient au-dessus. C'est plutôt bon signe. Encore faut-il que ça clôture comme cela ce soir, puisque nous sommes qu'à la mi-journée et qu'on a les minutes de la Fed ce soir à 20h. Donc n'oubliez pas, faites attention avec un tel événement ce soir. Mais si on clôturait en dessous, on aurait certainement un accès de faiblesse vers 0,766 à minima, voire 1,0630, c'est-à-dire la zone de support mars-avril 2020. Je ne suis pas très optimiste sur l'euro-dollar, c'est pour ça d'ailleurs que je reste short euro, parce que, ou avec un biais baissier, short euro suisse notamment, mais avec un biais baissier aussi sur l'euro-dollar, et que je me positionnerai à la baisse si on cassait les 1,09 en clôture. Parce que il me semble quand même que le test ici est un petit peu trop loin de la zone de support et qu'il est un petit peu léger après une telle tendance baissière. Donc, c'est intéressant ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, parce qu'on pourrait avoir un creux ascendant et dans ce cas avec un doji plus éventuellement une bougie verte, un chandelier haussier demain. Ça serait assez encourageant pour voir la reprise de l'euro au deuxième trimestre, comme je vous en ai parlé. Mais pour l'instant, je garde mon scénario quand même de un nouveau plus bas temporaire qui là verrait vraiment l'apparition d'acheteurs pour le rallye du deuxième trimestre. Voilà, mais on est vraiment dans l'incertitude actuellement. Donc attention à la clôture ce soir. Le câble, parce que je suis sur les devises majeures, le câble, il a toujours un biais plutôt baissier sous cette moyenne mobile à 200 périodes qui cape ses rallyes depuis septembre. Donc, des moyennes mobiles descendantes de très court terme. Donc,
un biais baissier, mais beaucoup de chandeliers successifs avec des petits corps et des mèches, donc des chandeliers d'hésitation qui, pour l'instant, ne me donnent pas beaucoup d'appétit pour aller faire un trade sur cette paire de devises. On a un support intermédiaire ici qui est en train de se former. On va voir s'il tient ce soir sur 1,3050. À voir donc, c'est un petit peu le pendant du 1,09 sur l'euro dollar, mais l'euro est plus faible que le câble. Je vais finir. J'ai vu. Ah non, on n'a pas vu l'autre. Hop, l'OSI. Alors, l'OSI, il a fait un très gros franchissement hier. C'était pendant la vidéo d'hier de la zone de résistance au-dessus de 0,7550. Mais vous voyez cette longue mèche haute qui a entraîné de grosses prises de bénéfices et cette bougie rouge sur la zone de résistance qui deviendrait zone de support. Donc c'est une zone de polarité tout à fait intéressante parce que si on l'a réintégrée, ben, on aurait un beau faux break. Si par contre on avait l'apparition d'une bougie ascendante verte au contact de cette zone de polarité, elle s'entrouvrait renforcée et dans ce cas-là, on aurait le placement idéal pour rentrer long sur l'AUD USD. Donc intéressant à suivre dans les prochains jours ce qui va se passer sur l'OSI. Je reste haussier. Malgré cette mèche haute, je reste quand même encore haussier au-dessus de la zone de polarité, mais j'attendrai une confirmation pour rentrer long. Et enfin, le loonie, le dollar, contre le dollar canadien, très intéressant aussi, puisque cette droite de support, cette zone de support, en tout cas 1,2450, elle a encore donné lieu à un fort rebond hier, avec cette longue mèche basse. On avait cassé les 1,2450. Mais on les aura intégrés et on a clôturé au-dessus. Cependant, on n'a pas la bougie de confirmation haussière qui nous permettrait de dire que ça y est, c'est reparti. Comme ici, par exemple, c'est cette bougie qui avait donné le son de la reprise. Ici, on ne l'a pas encore, donc il faudrait avoir la même configuration pour là aussi se positionner long. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, on garde les trades, que les avis, je garde les avis que j'avais en les ajustant comme je vous l'ai expliqué. Et dans les prochains jours, donc, surveiller l'eurodoll, l'AUD, USD, qui pourrait nous offrir de nouveaux plans de trading. Mais, bien entendu, il faut attendre les clôtures ce soir à minima, voire demain les confirmations. Parce que ce soir, encore une fois, il y a la Fed et que ça peut tout changer. Je vous souhaite un très bel après-midi, de très bons trades. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.